Salut à tous et à toutes, ici Calion. Et aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 12. Et dans l'épisode précédent nous avons fait le monde magnifique et très très long, mais tellement magique, de Zephyr. C'est l'un de mes préférés, je leur dis. Il était super sympatoche, même si c'est vrai qu'il durait un petit peu beaucoup longtemps. J'ai vraiment hésité à faire ce monde là en deux fois, enfin sur deux épisodes vu qu'il était assez long, mais bon, je me suis dit ceux qui apprécient Spyro, le let's play et tout ça, ils s'en foutent un petit peu du temps, j'ai envie de dire. Quand on aime quelque chose, on s'en fout du temps, et puis voilà quoi. Donc ça me dérange pas plus que ça personnellement. Après c'est pour vous, mais je pense que ça ne vous dérangera pas non plus, j'espère. Bon, allez, 57 vies, on commence bien. Donc aujourd'hui on va faire le port de Brise. Alors celui-là, je ne me souviens de rien du tout, c'est le vide total. Je ne sais même pas ce qui m'attend de l'autre côté. Donc on va y aller et on va voir ce que c'est. Souvenir quand tu nous tiens. Je sais pas du tout, je sais pas. Et j'ai peur. J'espère que je vais pas galérer. Oula. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Un canard avec... Oh, méchant. Bonjour, toi. Aïe. Ah, c'est... Enfin, je m'en souviens pas à 100%, mais si je me souviens bien, à la fin du monde, il y a un bateau. À la fin du monde, il y a un bateau, je crois. Mais c'est juste le souvenir que j'ai. Sinon, le reste, je me souviens de rien du tout. Juste, il y a un bateau à la fin, je crois. Enfin, bref, je sais plus. Tiens, hop. Je sais vraiment pas. Là, je m'en souviens pas. Je l'avoue, je ne m'en souviens pas. Je crois, ouais, ce genre de bateau, je sais pas, mais il y a même un endroit où il y a de la lave, je crois. Et là, je le fais vraiment au feeling, hein, le souvenir. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Donc, je suppose que le but est d'allumer ça. Voilà. Par où? Par ici. Ah merde, attendez, il y a un truc là, je vais juste voir ce que c'est. Alors, remarque, je vais lui parler d'abord parce que. Voilà, excuse quoi. Le désordre, Spyro. Nous souffrons à présent d'une infestation de patapouf. Ils ont d'abord éteint nos chaudières et maintenant ils ont en plus immobilisé notre bateau. Oh. Si tu réussissais à raviver le feu sous nos chaudières, tu pourrais certainement parvenir jusqu'au bateau. La vapeur des chaudières activerait notre machinerie ultra moderne. Ah, il me fait penser à Spyro, hein, celui-là, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. La musique, l'environnement, la nuit, comme ça, j'aime bien aussi avec les petites planètes et tout. Franchement, j'aime bien. J'ai aucun souvenir, mais j'aime bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'espère que c'est pas un truc bizarre. Ah, ok. Ok. Donc, ça sert à rien. Je pense qu'il va falloir le péter avec des boules de feu, je suis pas sûr. Hop là. Avec ça. Oh, remarque, c'est pas plus mal. Hein. Allez, viens là, toi. Hop là. Par contre, c'est quoi ces écrous, là? Non, pas un truc de supercharge, non. Non, pas supercharge. S'il vous plaît, pas de supercharge. Ah, non, pas des wagons non plus. Non, pas des wagons. Putain, si c'est avec des wagons, mais je vais galérer. Oh, putain de merde. Ça merde la chose. Ouais, ok. Bon, on va aller sauvegarder. Vas-y, foudre-moi. Pour une fois que je veux bien que tu me foudroies, Zoé. Vas-y. Allez. Là. Donc l'eau va monter normalement. Waouh, parfait. Ça, c'est digne d'un PGM, ça. Bon, alors comment je le pète, lui? Ah oui, mais non, il y a le coffre à casser. Ouais, si je fais tout à moitié, ça va pas le faire. En le pétant comme ça, peut-être, je sais pas. Ouais, faudra déjà que je vise bien. Ah, voilà. Je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait le buter, mais au moins c'est fait. Je suis toujours en train de faire des trucs bizarres. Donc, voilà. Donc là, y a rien dans l'eau, j'espère. Non, parce qu'on sait jamais. Hein.
Bon, est-ce qu'il y a quelque chose sur les côtés que je n'oublie rien? Non, c'est bon. Alors, je me souviens pas du tout. Ah, je savais qu'il y avait de la lave. C'est très flou les souvenirs que j'ai sur celui-là. Enfin, de la lave. Un truc où est-ce que vous vous noyez? Enfin, c'est pas vraiment de la lave. Ok. Attends, il se blesse avec de l'eau, quoi. What the fuck? Puis lui, qui a poussé un cri pas très net, quoi. Ah, ok. Oh, un bateau volant. Ah, c'est fun. Putain, il a l'air grand. Oh, on va encore faire 40 minutes, là. Oh là là. Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une épreuve, je suppose. Bon, on va y aller, parce que... Attends, je prends juste les joyaux, après tu me parles. Bon, attends. Les patapous vont placer des mines flottantes dans tout le port. Si tu arrives à les neutraliser, je te donnerai cette boule que j'ai trouvée. Bah, j'espère qu'il n'y a pas de temps. Non, ça va, il n'y a pas de temps. Bon, allez, c'est parti. On va aller taper là. Hop. Hop. Sont où? Il n'y a plus? Ok, il n'y en a plus. Ah, dans tout le port. Ah oui, bah oui, évidemment, dans tout le port. C'est vrai que si c'est pas dans tout le port, ça va pas le faire. Allez, vas-y, avance. Ah putain, c'est fun. Ça, je m'en souvenais par contre. Avec des petites ailes de dragon, ouais, c'est vrai que c'est... je m'en souvenais. C'était joli ça. Ok, donc là. Ouais, oui, c'est sur plusieurs endroits, c'est vrai. Bon, attends. On va le massacrer au point de spawn. Non, pas du tout. Allons. Voilà. Et voilà. Tapez là. Hop. Hop là. Voilà. Pas très difficile. Pas très difficile. Elle est encore un peu gluante. Ah, parce que tu l'as mis dans ta gueule. Ok. Non, j'avais pas compris en fait. Ok. J'ai envie de dire, un pélican il stocke tout dedans. Voilà quoi. Faut que je retourne là-haut. Aïe. Non, non, non. Ah, ça, c'est le truc que je déteste. C'est le genre de truc où est-ce que tu fonces, t'es confiant, t'es sûr qu'il va s'arrêter, mais en fait tu te prends un big vent et tu tombes dans le vide. Voilà. En plus il s'arrête quand je suis dessus quoi, mais. Là, il me troll. Il me troll. C'est pas gentil. Est-ce qu'il y avait autre chose avant que je canarde tout ça? Non, il y avait rien. Ok. Oui, donc il y avait bien un bateau, je m'en souviens. Cet endroit là, je m'en souviens. Enfin, les ennemis et tout, non, mais j'avais l'image de cet endroit là. Ah putain, c'est un vrai plaisir d'y rejouer comme ça, là, je m'en souvenais pas du tout. Ouah. Hop. Désolé si ceux qui connaissent le jeu... Enfin, moi, à partir de ce moment-là, je me souviens plus de rien. Désolé pour ceux qui connaissent le jeu si j'oublie des choses et que je reviens après, que vous pétez un câble devant votre écran, désolé. Mais c'est comme ça. Hop. Hop. Donc, ouais. Aïe. Donc je sais pas à quoi sert la cible. Je sais pas. On verra. De toute façon, on n'est pas pressé. Hein. Hop. Ah ok, faut allumer la chaudière. Ok, toi je t'ai repéré. Est-ce que ça brûle? Non, ça va. Voilà. Bon, on va aller là. Ah oui, je m'amusais même à faire un assaut. Je m'en souviens. Je m'amusais à aller sur le bateau. Quand j'étais petit, je faisais un assaut comme les filles. C'était marrant. Bon, il est où l'autre? Parce que... Ah putain, il va vite. Ah bah d'accord. Il va vite. Il n'y a rien d'autre, faut aller dedans, il y a quelque chose. Voilà. Et ensuite. Ok. Ensuite.
Est-ce que c'est mobile? Non, ça va. Ok, donc là, il y a le pouvoir du ressort. Il me semble que je n'ai rien oublié. Non, c'est bon. Ok. Ah, d'accord. On va prendre ça. Et on va l'écouter. Enfin, d'abord reprendre ça aussi. Et on l'écoute. Comme je suis content de te voir. Ma machinerie est tombée en panne et les engrenages nécessaires à sa réparation sont éparpillés sur les rails. Pourrais-tu monter dans ce chariot et les ramasser? Oh là 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 là. Ça sent pas bon. Ça sent 50? Mais tu te fous de ma gueule? Oh putain. Oh mon dieu. Non, pas ça, non, je déteste ça. Enfin, je déteste pas, mais c'est dur. Voilà, c'est dur. Le chariot te pose. Oh putain. Je vais m'amuser. Mais comme un fou. Hein. Oh, ça va être fun, je le sens. Oh non, non. Attendez, est-ce que j'ai raté quelque chose? Parce que j'ai vu qu'il y avait deux voies. Tourne sur le côté. Non, ça va. Bon, on continue. Droite. Tu sautes. Gauche. Droite. Hop. Putain. Ouais. Hop. Allez à gauche. Non, à gauche. Je veux aller à gauche. Putain, t'es chiant. Ok, on peut pas aller à gauche. Ok. D'accord. Putain, ça c'est le genre de truc qui est hyper difficile, mais d'une puissance. Mais comment je fais? Bon, attends. Attends. Tu vas pas me troller comme ça, toi. Il passe direct à gauche. Ok, oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Bon, ça a pas l'air trop difficile. Oh putain. Oh mon dieu. Si j'arrive du premier coup, appelez-moi Dieu. J'ai juste envie de dire ça. Parce que. Si j'y arrive. C'est que je suis un PGM. Bon. Hop. Voilà. Bon, il en manque 6, où est-ce qu'ils sont? Merde! Putain! Non. Le chariot de faute! Non! Transformation! Oh merde, j'étais pas loin! Ah, c'est pas vrai! C'est pas grave! Au moins, je sais où est-ce qu'ils sont! Non, merde! Putain! Je me suis fait feinter tout seul! Allez, on reste sur cette voie! Hop, voilà! Putain, pourtant c'est pas vraiment difficile. Oh. Voilà. Hop. Là on reste là. Non, pas TNT. Ah non, faut les dégommer les TNT. Le chariot te faut. Ok. Ok. Non, là par contre, ça va quoi. Bon allez. Ouais. Il manquerait plus que je saute trop tard ou trop tôt, mais c'est pas grave. À droite. Voilà, tac, là je reste sur la ligne droite, droite, voilà, ah voilà, merci le canon j'ai envie de dire, je me serais pris une belle TNT dans la tronche sinon, voilà, oh merde j'avais loupé des joyaux au début, ouais j'ai failli tomber en regardant, voilà, ça c'est fait. Donc en fait, ouais, j'ai oublié des joyaux. Moi, bon, j'irai après. J'avais pas fait gaffe aux tonnes de joyaux qu'il y avait. Merde. Oh, tant pis. C'est bon. Petit tour de manège, c'est gratuit. Ça va, il y a que des caisses, là. Non. Mais comment tu veux que je l'échappe? Le chariot te protège. Comment tu veux que je chope ça? Je vais juste regarder le temps d'enregistrement. Attendez, stop. 14 minutes. Ça va, j'ai le temps de faire plein de failles. Ça va. Hop, allez. C'est parti, mon kiki. 50, putain, mais 50 quoi. Mais c'est pas vrai. Tiens, mange. Le truc over-cheaté quoi. Ah. Hop.
J'ai raté le truc. Putain. Bon. Tiens, mange ça. TNT à la con. Ouais, donc là, il y a des joyaux en bas, j'avais pas fait gaffe. Bon, ça, on s'en fout. Hop. Voilà. On récupère ça. Allez, hop. Tac. Ah mon dieu. Ah mon dieu. C'est bon. Normalement, c'est bon. J'ai bien dit normalement. Mais rien n'est jamais normal avec moi. Hop. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. Yeah. C'est bon. Tu t'es bien débrouillé, Spyro. Je peux maintenant commencer à réparer ma machinerie. Tiens. Merci. Merci, merci. Putain, j'ai eu du mal, hein. Yeah. Je suis rouillé. Petit jeu de mots pourri avec les boulons, mais c'est pas grave. Ouais, ok. Donc attendez, combien de joyaux nous reste à prendre? Ok, donc il nous reste pas grand chose. Faut que je trouve le mec aussi. Parce que si je trouve pas le mec, ça va pas le faire. On retourne là-bas. Hop. Ah, je me souviens que c'était une épreuve assez chiante, ça. Bah, ça y est, je l'ai passé. Même avec un petit peu de difficulté, mais c'est pas grave. Il y a les joyaux du début. Comment je monte là-haut, moi? Tu m'expliques? Que je rigole un petit peu, là. Bon, il y a les joyaux là. Je les avais complètement zappés. Oui. Donc là, j'en ai 40 en plus. Ouais, je sais compter. On va prendre de la vie. Hop. Hop. On plonge. On sort. Ah. On va reprendre de la vie. Enfin, j'essaie d'avoir un papillon argenté. Et viens là, toi. Voilà. Allez, tu peux y aller, Coco. Attendez, je regarde mon portable. Non, attends que je descende. Voilà. Bon, ouais, bon, faut que j'accède là-haut maintenant. Comment tu veux que j'accède là-haut? Je sais pas. Ah, j'ai essayé de planer, ça veut pas. Comment je monte? Ok, ok, non mais ok, 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 ok. Quel con, quel con. J'ai pas dit que j'étais con, c'est pas vrai. Normalement, on a tout. Yeah! Et on a terminé ce monde-là. Merci enfin, d'avoir on va remis notre bateau en marche, Spyro. Nous pouvons maintenant contre-attaquer Zephyr. En signe de gratitude, je te prie d'accepter ce talisman. Ah, d'accord. Ah, ils sont ennemis avec les mecs de Zephyr. Ah, bah oui, c'est vrai. Il y avait des asticots dans ce monde-là, et dans l'autre, c'était des pélicans et tout ça. Ah, oui, c'est vrai. En fait, je les ai trahis tous les deux, là. Oh là là. Bon, on a terminé ce niveau-là. C'est vrai que les talismans dans le 2, ils sont super jolis. Ils sont super beaux. Ouf. Eh, le traître. Mec, il trahit. Ah non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ils sont pas avec eux. Bon, tu tiens. Voilà. Et l'autre, on s'en fout. Ok, on s'en fout. On s'en fout. Bon, retour à la plaine d'automne. Impossible de sauvegarder, on s'en fout. Ah bah c'était ça le port de brise. Je m'en souvenais pas. Ah, très beau le talisman. L'encre, super joli. Donc le prochain monde qu'on fera. C'est quoi? Je vais regarder le temps pour voir si j'ai le temps de vous montrer. Le temps pour regarder si le temps j'ai de montrer. 19 minutes. Putain, il était. Non, 19 minutes j'ai pris seulement. Waouh, c'était rapide. J'ai cru que ça faisait une demi-heure. Sans déconner, j'ai cru que ça faisait une demi-heure.
Bon, en fait, j'alterne. Une fois, je fais 30 minutes, une fois, je ferai 20. Oh, le troll. Il m'a esquivé tel un Pokémon. Bon, bah, si, j'ai largement le temps de vous montrer, en fait. C'est par là. Non. Vais-je arriver à l'échelle avant? Oui! Oh, oui! C'est magnifique! Hop. Ne vous inquiétez pas, je vais pas me casser la margoulette. Non, monte. Mais putain! Non, tu montes à droite. Voilà. Voilà le prochain monde qu'on fera. Brasier. Je sais pas si je fais brasier ou le prochain qui est après. C'est quoi l'autre? Colin the Fire. Je crois que je vais faire celui-là dans le prochain. Et cette fois-ci, bah, vous savez, il y aura mon invité dans le prochain épisode. Donc ouais, non, sur les conseils d'une amie à moi, enfin Laura de Konami, puis voilà, une amie, elle m'a conseillé avec la personne en dual commentary de faire celui-là parce qu'il est dur et je n'ai aucun souvenir. Donc on fera celui-là dans le prochain épisode avec mon invité. Ce sera comme ça, ouais, parce que Oasis Ombrage, enfin Oasis. Je le ferai tout seul. Je sais même pas s'il est dur et puis je ne m'en souviens pas non plus. Donc voilà. On verra bien. Ah, je tombe. Eh ben non, je tombe pas. Donc on fera Colin de Fail. J'ai pas envie de l'appeler Fail parce que ce sera Fail, puis c'est tout. Donc j'ai trouvé mon titre pour le prochain épisode, c'est parfait. Hop, hop. Non mais. Voilà, viens là. Tac, on va retourner là. Je sais, ça le fait pas trop les mondes d'automne au printemps, mais c'est pas grave. Si, pas grave. Donc, bah, c'est ici qu'on va se laisser, les gens. Hein. Donc, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et au prochain épisode, la colline de Fail, comme vous voulez, avec mon invité mystère. Allez, salut tout le monde!